Donc tu vois Pierre, on arrive du coup sur la zone de pêche. Comme tu l'as vu, on est arrivé discrètement. Le placement du bateau, c'est un bon 50% de la pêche, voire 80% de la pêche. On se sert de la cartographie. Donc là, on est en échelle 100 mètres pour pouvoir vraiment se situer dans l'espace. On vient de déterminer en fait le sens de la dérive comme on peut le voir. Donc la dérive part de ce rocher-là et va vers dans cette direction-là. Donc c'est marée descendante. Donc en fait, c'est la marée qui nous emmène dans cette dérive-là. Ce qu'on va rechercher aujourd'hui, c'est cette zone de haut fond là, avec le petit caillou qui est noté en vert. Donc les couleurs, le vert c'est l'estran, donc c'est la partie qui découvre à marée basse, le caillou sur lequel on va pêcher. La zone bleue qui est un haut fond, une zone de moins de 5 mètres à marée basse, et la zone blanche qui est une zone à 10 mètres. Donc on va essayer de se placer efficacement de ce rocher là jusqu'à là, pour essayer de longer ce tombant là, afin de lancer derrière ce rocher-là, d'accord ? Donc on lancera le leurre derrière le rocher à revenir sur le bateau, car les poissons se nourriront dans cette zone-là. En fait, c'est une zone qui va être une zone de calme, puisque le courant va dans ce sens-là, et c'est vraiment là qu'ils attraperont les proies dans le courant. À savoir que quand on arrivera sur la fin de dérive, je ferai des grands tours à chaque fois pour éviter effectivement de faire du bruit sur la zone, et donc du coup de pouvoir réitérer les poissons qu'on aura pêchés. D'accord. Voilà. On est parti. Très bien. Donc là, tu vois la grosse zone de mousse. On voit la zone de perturbation là, qui frise sur l'eau. Donc ça, c'est vraiment concrètement une très très bonne zone à barre. On va essayer de lancer légèrement donc sur la droite pour accompagner le leurre. Dès le début, tu fermeras ton pick-up, tu corrigeras légèrement ta bannière et tu lèveras ta canne pour accompagner dès le début ton leurre. Ouais. Il faut savoir que parfois, dès le premier lancer et la première coulée, les poissons attaquent. Il faudra donc, une fois que tu as touché le fond, lever ta canne de cette façon, marquer une pause et ensuite corriger donc ta bannière. Tu vois, en haut de ta canne, tu surveilles bien ton sion et tu accompagnes ton fil. Et à chaque fois que tu reprends le fond, tu refais une traction, etc., etc., jusqu'à temps d'arriver au bateau. Et après, tu réitères. Donc ferme ton pick-up à la main, voilà, lève bien ta canne et t'attends que ton leurre donc, du coup, prenne le fond. Là, il y a une dizaine de mètres, donc pour t'aider, il faut que tu comptes une dizaine de secondes. Comme ça, tu arrives à matérialiser à peu près quand tu touches le fond. Impeccable. Donc là, tu démarres ton animation. N'hésite pas à être dynamique, parce qu'une fois que tu as touché le fond, ton leurre navigue entre 1 et 2 mètres au-dessus. Et les poissons n'hésitent pas de toute façon à venir les attaquer. Corrige bien ta bannière par contre. Voilà. Il faut tout le temps être très très proche de sa bannière. On a changé de zone cet après-midi pour la montante. Le temps est clair, donc du coup ça s'est dégagé, la pêche est vraiment agréable. La zone est quand même un petit peu dangereuse, donc on reste toujours distant des rochers, mais on essaye d'aller pêcher, donc, comme tu le vois là, dans les zones blanches, dans les déferlantes. C'est vraiment des zones agréables. La technique reste a priori la même, sauf que quand même au niveau des animations, on est un petit peu plus agressif. Les poissons ici sont des poissons de passage. Ils sont des poissons très dynamiques, du coup ils n'ont pas peur d'attaquer, justement ils attaquent sur des proies qui sont vraiment actifs. Donc en termes d'animation, il faut faire des belles tractions. Thank you.
Bon bah voilà Pierre, hein. On arrive à la fin de la pêche, on est en fin de montante. Comme on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est vraiment des pêches qui se pratiquent quand il y a du courant. Je suis vraiment satisfait de cette journée. Tu as été dedans très rapidement, tu as vite accompagné ton leurre. En termes de maniement, tu étais vraiment proche de ta bannière. C'est vraiment des détails qui font la différence. Tu as vraiment bien compris aussi la cartographie. Ça, c'est aussi très important parce que des fois, bon, on a vu la pêche, ça se joue à un mètre. Tu m'as étonné, hein, tu as fait des beaux poissons, tu en as fait beaucoup, donc ça veut dire que voilà, hein, tu étais vraiment dedans. Moi, je t'engage vraiment à continuer à aller à la pêche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vraiment comme ça qu'on arrive à avoir des bons résultats et se faire plaisir, quoi. D'accord, bah écoute, moi j'ai pas beaucoup de questions à te poser parce que tu as répondu à la majorité des questions qu'il y avait sur le sondeur, sur le positionnement, sur tout ce qu'il fallait savoir. Donc j'ai appris beaucoup plus en très peu de temps en fin de compte que si je l'avais fait par moi-même. Et j'irais dans un univers comme ici, dans les îles d'Oued et Dick, là c'est vraiment merveilleux. Donc voilà, c'est vraiment, vous avez un super coin dans le Morbihan et donc il faut en profiter, quoi. Et vraiment, je suis très content, je reviendrai sûrement te voir pour parfaire mes connaissances. Ok, bah écoute, moi je t'accueille encore avec plaisir, on a passé une super journée, et puis bah encore une fois, va à la pêche, quoi. D'accord.